Quand je suis venu, je me souviens, le 27 mars 2007, quand je parlais avec le journaliste Ali Kumba Kisaka, il me disait, président, avec l'État que vous allez faire quoi? Vous allez commencer où? Maintenant, je pense cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où et qui voit quoi? Heureux qui comme les protégés du général Gabriel Amissi Kumba dit Angofor ont fait un bon voyage à Malawi et ont arraché leur ticket qualificatif pour les 16e de finale de la C1 au pays. En voici donc le carnet de voyage. C'était avec une délégation de trentaine de personnes, dont 21 joueurs, que Florent Ibengué Ikwangé a conduit 3 jours avant la seconde explication des préliminaires de la compétition la plus prestigieuse d'Afrique, la Ligue des champions de la CAF. La délégation a foulé le sol de l'aéroport dénommé Kamuzu International Airport de la ville de Lilongwe à bord de l'appareil volant South Africa. Un accueil très chaleureux a été réservé à la délégation non seulement aux Congolais vivant à Malawi, mais aussi et surtout aux supporters rivaux de l'équipe hôte. Tout le monde la vie depuis que tu déjà classement et bimaki. Toujours la vie à chaque fois match au vite au bête à Nakata Kisasa. Playing system au de bête à vita. Il y a un oyo et zé bête limoko vraiment impressionnant qui biso. Et puis tant que tout est à la équipe au tozo bête à Nango et zé équipe moko vraiment pour nabiso mento yé bien grand et zé équipe moko bon. Donc on comprend jamais la vita vite à supérieure. Mais alors vite à commis tozo kabambi bazoloba ceci cela mais. On a besoin de yébi, on a besoin de monnaie les bango. Depuis toko 4 to beta ki bango to ba ki sape mususu. Biso nyo so toza vraiment motivé pona ko yamba vite à soutenir vite jusqu'à la fin. Vite to yamien à l'aéroport, à tozo ki na hôtel na Malawi na Lilongwe. À on a Malawi na Lilongwe, to yamien à l'aéroport awa, tozo ki na Golden Peacock na hôtel, lobby à bandi entraînement, tozane ensemble jusqu'à jeudi na retour na yé, toza toujours serein. Pour présence na ngai na iko yamba vita nga na zaka support ya Mazembe mais na sepeli ndenge na zawa boye na moni pe vita e il faut na sepeli parce que zaba ekipe ya Congo amoni ndenge to zawa boye to za inyo parce que vita na Mazembe bazaba na tata moko yango ngai pe na sepeli kinaya ko yamba vita parce que vita za ekipe moko munene donc na sireke vita ko gagner match oyo parce que awa match ezate ekipe ezate ekipe yo sezawa ezaka ekipe ya lase parce que na capacité à vite ndenga beta ka balle mais balle awa vraiment na ibi ke vite ko gagner kaka na vanda na na dilongba wa tant d'aura vite zo yawa bon photo sala ba support mo boye ndé to ko zo bino aéroport to ensemble to se prépare ma kasi pour na yamba bino ndé pe boye en tout cas to se prépare ma kasi en tout cas match oyé les gars qui wana penda ya fait club au gagner ba 4 na 4 bo pesa ibango ba se so makelela wa mais to se ibango avec les besoins to gagner sur na mboka na bino wa 5. Donc en tout cas, tu es bien qu'en tout cas, toi déjà recepé là. Toi déjà recepé là, ma carte. Oui, nous avons partagé à Kwangalea Vita Club, ville de Natoga Kinshasa. Nous habitons ici, voilà pourquoi nous venons accueillir notre équipe avec eux. Nous allons leur donner même 5 buts. Faisant l'heure de l'arrivée des visiteurs, les supporters de Wonders restent couchés. Ground. So, we wait for the 90 minutes.
On a juste 90 minutes pour parler. Non, on n'a pas peur de vos clubs. Et nous sommes prêts de remonter le score ce mercredi. Toute l'équipe est au complet. Les yeux et les oreilles du président Tango Fort ainsi que le staff technique très solide composé de Florent Ibengue Kwangé et l'initiateur de Génération Solide et Inoubliable de 2010, Raoul Chungu, trouve le chemin de l'hôtel 5 étoiles bien réservé à la grande équipe de la RDC. Sans plus tarder, direction Stadium Bingu National où les trios magiques Florent Ibengue, Raoul Chungu et l'immortel Paulin Tokala sont passés par la prise de connaissance de l'ère du jeu sous l'œil vigilant de plus jeunes présidents sportifs de tous les clubs de la RDC, Emmanuel Tshisekedi Kaninda dit Yachichi et celui du conseiller juridique GG Kalonda dénommé fils du roi. Touche des balles. Étirements ont été au centre de cette séance d'avant-match. Le mentor vétlubien n'avait qu'une seule réclamation à l'issue de cette séance. L'état du terrain n'est pas bon. Le terrain n'est pas très bon. Parce qu'il y a beaucoup de rebonds. Il y a beaucoup de rebonds. Mais bon, c'est comme ça. On a joué chez nous. À nous de nous adapter ici. Et on ne trouvera pas d'excuses par rapport au terrain en tout cas. Mais on a fait des entraînements pour pouvoir récupérer. On est bien. On est en train on a fait un bon travail pour pouvoir être au mieux le mercredi. On a voyagé à 21. Et même s'il y avait un malade, il serait remplacé par quelqu'un d'autre. De ce côté-là aussi, on s'est prémunis. Donc, il n'y a pas de souci. Le jour J, en route vers la bataille, l'ancien capitaine Yannick Bangala est dans ses œuvres. Comme à l'accoutumée, Florent Ibengue respecte le football étant une science des consignes et principes. Nous sommes dans le vestiaire à quelques minutes de la rencontre. Le but du jeu, c'est quoi? Comment va-t-il aller?
va tirer. Ils n'ont pas le droit de tirer. Ils n'ont pas le droit de tirer. Ça va les gars? Ils n'ont pas le droit de tirer. Si déjà ils ne tirent pas, on est qualifié. S'ils ne tirent pas, on est qualifié. Ça va? Ça c'est première chose. Deuxième chose, offensivement. Dans notre animation, on y est. On fait mal à cette équipe. Point faible, on le sait. Là, c'est là. Entre autres, ben, il faut l'utiliser. Chadra. Il faut l'utiliser. Et puis, les efforts gratuits. Les efforts gratuits. Léo, normalement, je ne veux pas que tu finisses le match. Je ne veux pas que tu finisses le match. Je veux que tu sois fatigué avant. Qu'il y en ait un autre qui rentre. Ça veut dire que au côté d'un match, c'est effort. Bano Bandagi. Boum, 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 tu le tues. Ronao Omae. Sautiété, c'est pas grave. Match en toi au côté à Silis match. Ça va. Ronao, j'ai même pas envie que tu finisses le match. Mais si toi tu finis pas le match, lui ne va pas le finir. Donc, à gauche, à droite, fais-moi tous ces efforts. Il est gros. Il est gros. D'accord. De l'autre côté, Jésus, pareil. Pareil. Voum, 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 voum. Oh, bon, on va mourir. Dans les gradins, les Congolais ont répondu présent au rendez-vous. Les drapeaux congolais ont flotté. Retour dans le vestiaire pour les derniers réglages avant le coup d'envoi. Florent Ibengue, encore une fois. Allez, faites le boulot. Victoire, 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 victoire. Avant le coup d'envoi, l'ambiance était au rythme de Ibengue coaché. Tous les stades est en ébullition. Un match à sens unique jusqu'à la 20e minute où le Marquoir affiche 0-1 pour V-Club à la grande joie des Congolais venus nombreux au stade. Jusqu'à la pause. À la reprise, deux minutes, l'ailier gauche des Oranges trouve la tête de son avant-centre pour l'égalisation. Un but partout. À la 65e minute, le joueur Baoui, le nouvel entrant bien servi d'une pichinette, bat le portier pour le winning goal. À 1, score jusqu'à la fin du match à la grande joie des Congolais venus nombreux à Bingu National Stadium. Où le président sportif Emmanuel Tshisekedi Kanyinda, dénommé par les Banavea Yachichi, a reçu des honneurs en son image.
Oui, nous sommes venus pour remplir la formalité. Dixit, le président Emmanuel Tshisekedi Kanyinda. C'est ce qui nous confirme encore les vaillants athlètes et gardes le regard fixé vers le Maroc. Sentiment d'abord, ils ont une victoire 6-1. Mon équipe a gagné 4-0 malgré. C'était pas un match facile comme pensaient les gens. Vous savez que c'est une équipe qui joue à domicile devant le public. Donc c'était pas un match facile. Mais je remercie le bon Dieu parce que nous on a travaillé, on a gagné notre match. Donc je suis vraiment très content avec notre victoire cet après-midi. C'était pas vraiment tout facile, mais on a gagné notre match. Ça me fait bien. À tout seigneur, tout honneur, le smart coach tenait à tout prix remercier ses poulains. Il n'y a jamais rien de simple, même si je pense qu'on aurait pu se rendre le match plus facile, mais gagner à l'extérieur, c'est jamais simple. N'importe quel match. Donc, félicitations. On va repartir tranquillement. On va oublier la Coupe d'Afrique pour un moment, pour se concentrer sur le championnat et le match qui arrive très vite. Adieu, le 32e des finales. Vive le 16e avec le déplacement de l'ASV Club du côté des Maroc. Le compteur est donc remis à zéro. Pourquoi pas? V Club, voilà la devise fétiche de l'année 2018. Quand je suis venu, je me souviens, le 27 mars 2007, quand je parlais avec le journaliste Ali Kumba Kisaka. Il me disait, président, avec l'État que vous allez faire quoi? Vous allez commencer où? Maintenant, je pense cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où et qui voit quoi?